Il y a des plaidoiries dont vous êtes très fier aujourd'hui, qui ont plus compté pour vous que beaucoup d'autres. Alors, des résultats dont je suis très fier, mais des plaidoiries dont je suis très fier, c'est un peu compliqué parce que parfois, le résultat est au rendez-vous d'une plaidoirie modeste. Le doute... Moi, d'abord, je pense que c'est pour ça qu'il y a chez moi peut-être une forme d'âpreté particulière dans le débat. Je pense que l'intime conviction se forge durant le débat et que la plaidoirie, c'est la réunification de tous ces éléments qui ont été contradictoirement débattus. Et parfois, on sent que l'acquittement est au rendez-vous. On sent que l'avocat général a abandonné, même s'il ne formule pas « j'abandonne l'accusation », que l'on espère de ses voeux, mais on sent qu'il a démissionné, on sent que c'est acquis. Dans ces cas-là, on y met peut-être moins de supplément d'âme que dans une affaire où il faut aller chercher quelque chose. Bon. Et moi, c'est comme ça, il m'est arrivé de me trouver pas très bon, d'obtenir un merveilleux résultat. Il m'est arrivé au contraire de trouver que j'avais bien plaidé et de ne pas obtenir le résultat que j'appelais de mes voeux. Oui.